السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثاني بكالوريا علوم اقتصادية، ومع أول درس فيتخصص يتعلق بدرس النهايات. إذا هنا أقترح عليكم فقط نموذج من التمارين المتعلقة بهذا الموضوع. إذا اخترت لكم 4 تمارين أو متعلقة بهذا الموضوع ديال النهايات، إذن حتى تكونوا على دراية، لأن هذا الموضوع يقتضي منكم بطبيعة الحال أن تخصصوا وقتا كافيا لإنجاز مجموعة من التمارين بهذا الصدد. إذن على كل حتى لا أطيل عليكم، الموضوع الآن أمامكم. ديتيرميني لي ليميت سويفونت دي فونكسيون سويفونت. ليميت لوغسك تنفير 3 de racine de x plus 1 moins 2 sur x moins 3, limite de racine de x carré plus x moins 2x en plus l'infini, la limite de racine carré de x carré plus 2x moins 3 plus x en plus l'infini, et la limite de racine de x plus 1 moins racine de x moins 1 en plus l'infini. Donc vous devez stopper la vidéo pour commencer à chercher les limites de ces fonctions. Je vais vous faire appel, bien sûr, que toutes ces limites-là, ce sont des formes indéterminées, donc il faut avoir ou bien il faut connaître certaines astuces pour déterminer ce genre de limites. Alors je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire la première limite de x lorsqu'il tend vers 3 de racine de x plus 1 moins 2 sur x moins 3. Donc si vous essayez de remplacer x par 3, donc vous allez trouver donc dans le brouillon, bien sûr, donc vous aurez trouvé 2 moins 2 sur 3 moins 3, c'est 0. Donc c'est 0 sur 0. Donc c'est une forme indéterminée. Alors la première des choses donc, que je vais faire pour faire un rappel, c'est qu'il faut tout simplement savoir les formes indéterminées. Alors là, il faut les apprendre par cœur. Quelles sont les formes indéterminées? Ce sont les formes qui sont de la forme 0 sur 0, 0 fois l'infini, l'infini moins l'infini, l'infini sur l'infini. Alors, vous devez quand même apprendre ces 4 formes indéterminées. Alors, on va maintenant répondre aux questions. Alors, on a dit, si je vous remplace x par 2, vous allez trouver la forme 0 sur 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement penser à la forme conjuguée, c'est-à-dire que la limite de x plus 1 racine moins 2 sur x moins 3, vous pouvez l'écrire autrement. Donc voilà, donc vous allez multiplier par le conjugué qui n'est autre que racine de x plus 1 plus 2. Il faut quand même le diviser par, donc x plus 1 plus 2, il me reste x moins 3. Alors vous savez qu'une forme a plus b fois a plus b, c'est une forme à identité remarquable, c'est a carré moins b carré. Lorsque je fais a carré, donc le racine carré sera supprimé, donc il reste x plus 1 moins b au carré, c'est-à-dire moins 4, voilà, sur x moins 3 fois racine de x plus 1 plus 2. Donc ça sera donc la limite lorsque x tend vers 3. Donc, x moins 3 sur x moins 3 fois racine de x plus 1 plus 2. Donc, après une simplification, et vous allez remplacer x par 3, racine de 4, c'est 2, 2 plus 2, donc c'est 4, donc c'est 1 quart. Donc, la limite de cette fonction, c'est 1 quart. Maintenant, je vais passer à une autre limite qui est la suivante. La limite de racine de x carré. Donc, si vous remplacez par l'infini, donc l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, je vais vous donner un astuce. Et surtout, lorsqu'il y a un coefficient, le coefficient de grand degré ici égal à 1, alors le coefficient ici, c'est 2. Donc, lorsqu'il y a cette astuce-là, donc il suffit de faire x carré en facteur. Donc, ça sera la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ici, j'ai x carré, je mets x au carré en facteur. Ça me donne 1 plus 1 sur x moins 2x. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini.
Donc, si je mets x carré ici, la racine de a fois b, c'est la racine de a, et la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Donc, il me reste tout simplement 1 plus 1 sur x moins 2x. Et comme x tend vers plus l'infini, la valeur absolue de x, c'est x. Donc, ça, j'aurais faire tout simplement x en facteur. Donc, il me reste 1 plus 1 sur x moins 2. C'est bien ça. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Il me reste 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1 fois plus l'infini, ça me donne moins l'infini. Alors, voilà. Donc, je vais vous donner ici une autre limite, même s'il n'était pas écrit dans l'exercice. Donc, je trouve que c'est une limite très intéressante. Donc, cherchez la limite cette fois-ci lorsque x tend vers 2. Donc, voilà, vous avez x moins racine de x plus 2 sur 3 moins racine de 4x plus 1 lorsque x tend vers 2. Alors, normalement, si vous remplacez x par 2, 2 plus 2, ça fait 4. Racine de 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. 3 moins 3, c'est 0. Donc, c'est toujours une forme indéterminée. Donc, il faut ici penser toujours à multiplier par le conjugué. Mais il y a ici, l'astuce, c'est qu'il y a deux fois un conjugué. C'est-à-dire, je vais multiplier par le conjugué de x moins 3. Donc, c'est x moins racine de x plus 2, que je dois multiplier par son conjugué, c'est-à-dire x plus racine de x plus 2. Voilà. Mais je dois encore diviser. Voilà. X plus 2. Maintenant, je dois multiplier. J'ai ici 3 moins racine de 4x plus 1. Donc, je dois multiplier par le conjugué. C'est-à-dire son conjugué, c'est 3 plus racine de 4x plus 1. Et je dois le multiplier par en haut, par le même, donc 4x plus 1. Donc voilà, j'espère que tout le monde a bien compris ce que je viens d'écrire. Alors, je continue. C'est la limite lorsqu'il tend vers 2. Donc vous savez que a moins b fois a plus b, ça me donne a carré. Donc a carré moins. Et le racine carré va être supprimé, ce qui reste moins x plus 2. Je la fais directement, c'est moins x moins 2. C'est bien ça. Donc il me reste donc 3 plus racine de 4x plus 1 sur. Alors ici, j'ai tout simplement x plus racine de x plus 2. Il me reste 3 a moins b fois a plus b, il y a a carré moins b carré. Or, b carré, donc c'est moins 4x plus 1. Voilà. C'est bien ça. Donc, si je continue ici, donc ça sera la limite lorsque x tend vers 2 de x au carré moins x moins 2 fois 3 plus racine de 4x plus 1, le tout sur. Alors, ici, 9 moins 1, c'est 8. Donc, j'aurais écrit 8 moins 4x. Et me reste x plus racine de x plus 2. Alors, ici, si je mets un 4 en facteur, ça me donne 2 moins x fois x plus racine de x plus 2. Alors, ici, je remarque là, c'est une fonction, bien, c'est une équation de second degré, dont les racines sont 2, donc 2 est une racine. Voilà, si on remplace x par 2, 2 au carré, c'est 4, moins 2, c'est 2, 2 moins 2, c'est 0. Donc je peux écrire, voilà, c'est x moins 2 fois x plus 1. C'est bien ça. Donc x plus 1, donc il me reste donc 3 plus 4x plus 1. Je l'ai fait directement parce qu'il ne me reste pas grand espace. Alors ici, je pourrais simplifier. Ici, il y a x moins 2. Ici, il y a 2 moins x. Mais il faut faire attention. Il faut faire un signe moins. Donc, je vais écrire. Donc, on a toujours, il y a une limite. Hein? Une limite lorsqu'il tend vers 2. Donc, c'est la limite lorsqu'il tend vers 2. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x plus 1. 3
plus racine de 4x plus 1 sur 4, mais avec un signe moins, x plus racine de x plus 2. Alors, si vous remplacez x par 2, donc 2 plus 1, c'est 3. Donc, 2 fois 4, c'est 8. 8 plus 1, c'est 9. 3 plus 3, c'est 6. Il me reste moins 4 fois 2 plus 2, ça fait 4. C'est bien ça. Donc, c'est 18 sur 16 avec un signe moins. Donc, c'est moins 9 huitièmes. Alors là, voilà, c'est une limite très intéressante que je vous propose. Bien sûr, ce n'est pas écrit dans l'exercice, mais je vous la propose pour qu'il soit clair pour vous. Alors maintenant, je passe à l'autre exercice qui concerne la limite en plus l'infini de cette fonction-là. Toujours plus l'infini, donc aucun problème. Donc si vous mettez plus l'infini, c'est aucun problème. Donc, on a plus l'infini. Mais si je voudrais chercher maintenant cette limite de x carré plus 2x moins 3 plus x, voilà, lorsqu'x tend vers moins l'infini. Alors là, voilà, c'est un exercice. Donc, je vous le propose. Donc, voilà, parce que l'exercice, on a, voilà, si je reviens à l'exercice, donc c'était la limite en plus l'infini. Mais, donc, je dois l'ajouter ici, si vous voulez. Donc, chercher la limite de lorsqu'x tend vers moins l'infini de racine de x carré plus 2x moins 3 moins x plus x, pardon. Donc, on a moins l'infini ou on a plus l'infini. Donc, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, voilà, je vous propose cet exercice de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant si je à moins l'infini? Donc, si je vais tout simplement écrire, c'est la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini, je mets x carré en facteur. Donc, si je mets x au carré en facteur, ça va me donner tout simplement, parce qu'il y a un même coefficient. Donc, ici, le coefficient, ici, c'était 1. Donc, voilà, le coefficient, c'est 1. Ici, c'est 1. Donc, je vous conseille de ne pas faire le multiple par le conjugué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas faire la simplification, pardon. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire x carré en facteur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser au conjugué, c'est-à-dire je vais x carré plus 2x moins 3, j'ai plus x, donc je multiplie par son conjugué qui est x au carré plus 2x moins 3 moins x, voilà, sur racine de x carré plus 2x moins 3 moins x. Alors, c'est-à-dire c'est la limite en moins l'infini, donc x carré plus 2x moins 3 moins x au carré sur racine de x carré plus 2x moins 3 moins x. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, c'est la limite en moins l'infini de 2x moins 3 sur racine de x carré plus 2x moins 3 moins x. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Limite en moins l'infini de... Je peux mettre un x en facteur de 2 moins 3 sur x. Alors, au numérateur, j'ai x au carré en facteur de quoi? De 1 plus 2 sur x moins 3 sur x au carré moins x. Alors là, il faut faire très attention parce que la racine de x carré, c'est la valeur absolue du x. Alors, la valeur absolue de x lorsqu'x tend vers moins l'infini, c'est moins x. Alors là, vous faites très attention là. Donc, il reste toujours ici 1 plus 2 sur x moins 3 sur x au carré. Voilà, je continue. Et ici, voilà, j'ai moins x. Ici, j'ai toujours x en facteur de 2 moins 3 sur x. Alors là, je pourrais simplifier, c'est-à-dire x avec les x. Donc, il me reste la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini, de 2 moins 3 sur x. Alors, si je mets un x en facteur, alors si je mets x en facteur, j'aurai ici un moins, 1 moins plus 2 sur x moins 3 sur x carré, moins 1, parce que j'ai ici moins x. Alors, lorsqu'x tend vers moins l'infini, 3 sur l'infini, c'est 0, donc il me reste 2.
Alors, j'ai déjà simplifié, pardon, j'ai déjà simplifié par x. Donc, il me reste uniquement ici moins 1, c'est moins 2. Donc, c'est bien égal à moins 1. Donc, voilà la limite de cette fonction. Et la dernière fonction, c'était la limite de racine de x plus 1 moins racine de x moins 1. Donc, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, je pense au conjugué. Donc, voilà limite de plus l'infini de racine de x plus 1 moins racine de x moins 1, que je dois multiplier par racine de x plus 1 plus racine de x moins 1 sur racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Donc, ça sera la limite en plus l'infini de x plus 1 moins x plus 1 sur racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Donc, c'est la limite en plus l'infini. Donc, je pourrais simplifier 2 sur racine de x plus 1 plus racine de x moins 1 égale. Alors, la limite de ça, c'est plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Donc, ça restera toujours plus l'infini. Et 2 sur plus l'infini, c'est 0. Alors, voilà, on a donc terminé avec ces exemples de limites. Donc, vous pouvez entrer dans ma chaîne et vous allez directement sur la playlist concernant les limites de fonctions. Vous pouvez en tirer profit. Bien sûr, il y a certains autres exemples plus difficiles que cela. Donc, essayez de les refaire et de les partager avec vos collègues. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.